Je suis Isabelle Poirot, directrice de l'agence Stéphane Plaza Immobilier à La Libération. C'est un quartier hyper vivant et très recherché. Ici, nous sommes rue Lafayette, là où on a le programme François 1er. Et donc, ce quartier est très agréable parce qu'on est vraiment dans un cœur de ville. Certes, ce n'est pas le centre-ville, mais qui aujourd'hui est très touristique. On est plus dans le centre-ville des Niçois, avec le marché qui se tient tous les jours, les restaurants, toutes les animations, les magasins, les cinémas, le tramway qui passe juste à côté de cette réalisation, ainsi que la gare TGV. En plus, on a effectivement toutes les écoles à proximité, écoles maternelles, les crèches, collèges, lycées, et également des entrées pour la voie rapide, la voie Matisse, qui traverse toute la ville et qui permet de rejoindre les autoroutes pour partir soit sur l'ouest, soit sur l'est du département. Et il se trouve que cette opération est juste à côté d'un très gros projet pour Nice, qui est le projet Iconique, qui est en cours de réalisation, qui devrait bientôt être terminé, qui est un bâtiment très moderne et futuriste, et dans lequel on va trouver un hôtel 5 étoiles, de nouveau des commerces, une salle de concert, et pas mal de plateaux également pour des professionnels. Donc ça va être encore un centre de vie. À noter qu'autour du projet Iconique, dans les rues juste autour de ce projet, il y a toute une opération de végétalisation qui a été mise en place, de nouvelles pistes cyclables pour mieux desservir les différents axes de la ville et également que ce soit plus agréable pour les habitants. Nice est une ville qui est considérée zone tendue, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes de location, mais très peu de biens à la location. Donc dès qu'on en met un sur le marché, il part extrêmement vite. Ça, la demande, il n'y a pas de souci. Donc en ayant investi dans ce programme-là, je ne suis pas inquiète, on arrivera très facilement à trouver des locataires. En plus, on est sur un quartier où on va avoir des jeunes couples. Donc par exemple, deux pièces, c'est parfait pour eux. On peut avoir également des colocataires, par exemple, qui sont étudiants à l'université de Valrose ou même plus en centre-ville ou sur la promenade. Donc la typologie trois pièces est également très recherchée. Ce qui est certain, c'est que c'est un quartier qui est en pleine mutation. Investir dans ce programme, c'est une belle opportunité puisqu'on aura toujours de la demande locative, toujours des demandes de personnes qui souhaitent se loger et le quartier va continuer à se développer et à prendre de la valeur.